حمده نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون الحمد لله La louange sans cesse renouvelée est due à Allah, subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur, absolu Seigneur, à qui nous devons notre existence, donc finalement, celui à qui nous devons tout. Nous le louons en particulier pour ses innombrables bienfaits, aussi bien apparents comme cachés. Nous lui demandons son assistance en tout et en tout lieu. Son pardon pour nos péchés. Certes, quiconque est guidé par Allah, point d'égarement pour lui. Quant à celui qui l'abandonne dans son égarement, point de guide pour lui. Nous attestons qu'il n'est de Dieu que lui, Allah. Il est unique, sans associer aucun dans son royaume, dans ses noms et attributs. Nous attestons également que Mohammed est son serviteur et son messager, celui-là même qu'il a envoyé comme miséricorde pour les créatures. Frères et sœurs, dans la foi, notre Seigneur nous interpelle, aux croyants, craignez véritablement Allah et veillez à ne mourir que dans la soumission. Puisse Allah nous apporter à tous une vie dans la soumission et un rappel à lui également dans la soumission, la prise absolue. Chers frères et sœurs en islam, nous sommes aujourd'hui le 8e jour du 8e mois de l'année lunaire 1443. Autant dire que c'est le mois de Sha'ban. Et sitôt évoqué le nom Sha'ban, nous pensons immédiatement, chers frères et sœurs, nous pensons certainement à Ramadan. Quelle peut être notre attitude et même nos actions en termes de préparation pour ce mois de Ramadan, justement. On pourrait aussi dire comment on gère cette transition. Notre transition à nous, chers frères et sœurs, celle-ci, elle est très particulière. Peut-être c'est une fin de transition, mais en tout cas, quelque chose qui précède le Ramadan, nous allons l'appeler ici transition. Et comme les politiciens gèrent la transition, nous également, il serait bon que nous nous donnions une charte. Seulement que cette charte, elle est très particulière, elle est personnelle, elle est individuelle. N'est-ce pas? Mais toute charte digne de ce nom doit se baser sur un socle solide. Ce socle-là, soit une constitution, peut-être un acte fondamental, en tout cas quelque chose qui donne l'éclairage pour pouvoir avancer. Et nous, chers frères et sœurs, notre socle à nous, c'est Al-Qur'an ou Al-Sunnah. Le Coran et la Sunnah. Justement, comment faire pour se retrouver dans ce lot de textes pour nous aider à nous préparer pour ce grand mois qui arrive, chers frères et sœurs. Il nous reste en pratique 3 semaines. 3 semaines, c'est peu et c'est beaucoup, chers frères et sœurs. Nous le concédons, mais chacun d'entre nous doit, rien n'est encore tard, se rattraper s'il le faut pour nous donner les éléments qu'il faut pour bien accueillir ce grand étranger, comme on dit, ce noble étranger qu'est le mois du Ramadan. Vous savez, chers frères et sœurs, nous disons que cette charte, chacun d'entre nous doit se la préparer, elle est personnelle. Comme le Coran le dit, « Balil insan ala nafsihi basira » Chaque être humain, chaque nafs se connaît elle-même. Il sait ce qu'il a, il sait dans quel état il est, les faiblesses, les forces. C'est pourquoi chacun d'entre nous doit s'efforcer d'établir ce programme-là, d'établir cette charte personnelle. Qu'Allah nous facilite la compréhension. Chers frères et sœurs, on va commencer, quand on parle de préparation pour le mois de Ramadan, par
Le béaba. Le béaba, ça semble être pour chacun d'entre nous la préparation matérielle qui, vraiment, on peut le dire, nous sommes dans notre droit en tant qu'être humain à préparer de façon matérielle, de façon physique ce mois de Ramadan. Généralement, ça va constituer à préparer la nourriture, les victuailles, c'est le sucre, c'est le riz, tout ceci, nous le connaissons bien. On n'a pas besoin de s'étendre là-dessus. Mais nos îles Saba nous disent que ce qui serait davantage mieux pour nous, c'est nous pencher sur l'aspect moral, l'aspect spirituel. Mais avant de venir à cet aspect, il est bon toujours dans la préparation physique et matérielle d'énumérer un certain nombre d'éléments. Il y a la recherche du savoir, le savoir qui est nécessaire pour pouvoir adorer Dieu pendant Ramadan. Chers frères et sœurs, entre nous, est-ce que ça fait sérieux qu'on attende le mois de Ramadan, qu'on attende qu'on dise qu'on a vu la lune, pour qu'on se lève maintenant pour savoir, ah, quand on jeûne le Ramadan, c'est quand est-ce que le jeûne est coupé, quand est-ce que c'est valide, quand est-ce qu'on doit faire le souhour, etc. On peut bien commencer bien avant. Et c'est maintenant qu'il faut le faire. Rechercher le savoir nécessaire qu'il faut pour pouvoir faire un bon mois de Ramadan. Allah nous accorde à tous ce savoir-là. Chers frères et sœurs, il y a également le fait d'établir un programme. Un programme personnel, mais qui soit aussi réaliste. Nous sommes sûrs que vous et moi, chacun d'entre nous, essayons chaque année que Dieu nous donne d'établir ce programme-là. Des fois, il est peut-être un peu trop ambitieux, de sorte qu'au sorti du mois, nous sommes à pleurnicher. Ah, je n'ai pas pu exécuter ce programme, je n'ai pas pu faire ceci, je n'ai pas pu faire cela. Peut-être quelque part, c'est parce que nous n'avons pas été réalistes, nous n'avons pas bien jaugé de nos forces et de nos faiblesses. Qu'Allah nous facilite ce travail-là. Chers frères et sœurs, comme dit tantôt, l'élément le plus important quand on parle de préparation pour le mois de Ramadan, à ces quelques 3 semaines, c'est surtout l'aspect spirituel, l'aspect moral. Et pour commencer également, cette dimension-là, on s'empresse de rappeler que celles et ceux qui ont des jours de jeûne à rembourser, il va de soi qu'on n'a plus grand temps à perdre, on n'a plus l'embarras du choix. À 3 semaines, pour surtout nos mamans, nos soeurs, nos épouses, qui en temps normal ont obligatoirement quelques jours de jeûne manqué, eh bien, si ce n'est pas encore fait, il va falloir quand même s'empresser de rembourser, comme on dit, ce jeûne-là. Sinon, ce ne serait pas bien, disons-nous bien, si vous devez de l'argent à quelqu'un, et que vous, c'est seulement quand vous avez besoin d'emprunter de l'argent encore à cette personne que vous allez dire, voisin, je vais pouvoir payer mes dettes, pour que tu puisses encore me donner. Ça ne fait pas bien sérieux, chers frères et sœurs. Donc, empressons-nous, pour ceux d'entre nous qui ont ces jours de jeûne, de les réparer, de les rembourser. Qu'Allah nous facilite cela. Après cela, chers frères et sœurs, en matière morale, eh bien, un élément important à rappeler, que notre prophète Mohammed n'a de cesse de nous dire, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit, le mind, comme on dit, dans lequel on va accueillir ce mois de Ramadan. Il ne faut pas que nous soyons de ceux-là, de celles-là et ceux-là qui, eh bien, entrevoir Ramadan comme des difficultés. Ah, ça va chauffer. Voilà que nous sommes dans la chaleur. Ceci, cela, subhanallah. Non, c'est plutôt le contraire qu'il faut voir. De toute façon, chers frères et sœurs, si nous sommes sincères, si nous essayons pour énumérer d'un côté les avantages, les bienfaits de Ramadan, de l'autre, les inconvénients, les dommages, on va s'apercevoir que les avantages dominent. Et en pareille circonstance, c'est l'être humain qui est comme ça. C'est la sunna de Dieu. Quand les avantages dominent, on dit c'est bien. Donc il n'est pas bien pour un musulman, pour une musulmane, d'avoir peur du mois de Ramadan. Étant entendu, eu égard à ce qu'il y a dans ce mois de Ramadan, chers frères et sœurs, car nous facilite la bonne compréhension. Le mois de Ramadan, c'est une occasion de nous racheter. Nous parlons d'une transition, et bien la transition vers cet état-là, où nous avons plus de facilité à adorer Dieu, plus de facilité à explorer la dimension interne de notre foi, le côté intérieur, que nous avons très peu de temps à accorder, chers frères et sœurs. Chaque jour que Dieu fait, nous courons derrière l'argent, derrière les richesses. Comme maintenant, nous pouvons s'asseoir quelques minutes. J'ai en mémoire ce savant, cet écrivain qui dit que le plus grand malheur des hommes, c'est de ne pas être capable de s'asseoir, de s'isoler dans une chambre pendant juste quelques minutes pour réfléchir sur leur propre personne. C'est le plus grand malheur, ça. Qu'Allah nous épargne ce malheur-là. Chers frères et sœurs, donc nous avons intérêt, vous et moi, à accorder une bonne place, une place de choix à ce mois de Ramadan. Eh bien, ça va commencer par le fait d'être optimiste, plutôt optimiste. Le musulman n'est pas du tout pessimiste. Chers frères et sœurs, parlant de la préparation du mois de Ramadan, les savants nous donnent
une bonne image, eh bien, c'est celle de Sahaba, justement, radiallahu anhu, jamian. Eh bien, les compagnons qui avaient l'habitude, de préparer Ramadan 6 mois avant. Exemple, d'invoquer Allah, de leur faire parvenir, eh bien, ce glorieux mois de Ramadan, 6 mois avant. Ramadan arrive, 6 mois après, ils sont en train de demander à Allah d'accepter les jeûnes. Subhanallah, d'accepter les jeûnes. Et nous, non, non, nous, quand Ramadan est fini, c'est fini. Les gens ne peuvent même plus entendre parler du jeûne. On parle de jeûne surrogatoire, lundi, jeudi, 13e, 14e, 15e jour. Il y a des gens, ce n'est pas leur problème. Non, c'est l'ignorance qu'Allah nous prévient de l'ignorance. Je comprends, chers frères et sœurs, et bien, il faisait cela. On a en mémoire un de nos savants qui disait, parmi les évocations qu'il faisait, c'est un sahaba, eh bien, avant le ramadan, il y a celle-ci. Allahumma salimni ila ramadan. C'est très beau à voir. Wa salim li ramadan. Wa tasallamuhu minni mutakabala. J'ai dit, Seigneur Dieu, protège-moi jusqu'à ce que j'atteigne le mois du ramadan. Ah oui, parce qu'il reste un jour, il reste des secondes, rien n'est acquis. Protège-moi jusqu'à ce que j'atteigne ce mois-là. Et si j'atteins ce mois-là, donne-moi un ramadan pur. Tu me le donnes pendant que je suis pur. Tu me donnes un ramadan qui est pur. Et après cela, reçois ce mois de ramadan de moi. Accepte. Il faut agréer. Je t'en supplie. Voilà ce qu'il faisait comme invocation. Car nous aide à ces invocations-là. On va y venir, chers frères et sœurs. Pour l'instant, c'est encore une fois le moment de nous rappeler l'importance qu'il y a à asseoir cette préparation spirituelle. Voyez-vous, chers frères et sœurs, ces mêmes savants disaient que les 3 mois, on va dire les 2 mois qui précèdent le ramadan, il y a Rajab, que nous avons quitté il n'y a pas longtemps, ensuite maintenant Sha'aban. Rajab, ils disent que c'est le mois des semis, où on plante, on sème. Bonne image pour le cultivateur. Eh bien, Sha'aban, c'est le mois où on irrigue, on arrose, on entretient notre plantation. Et pendant le mois de ramadan, on récolte. Subhanallah. Mais nous, chers frères et sœurs, nous, on ne plante rien. On n'entretient rien. Et on tombe dedans, tout comme on dit. Et on veut récolter des choses. Ils disent que c'est difficile. À moins que Dieu fasse un miracle pour nous. Mais qui sommes-nous pour que Dieu fasse ce miracle-là? Donc, il faudrait préparer ce mois de ramadan, chers frères et sœurs. Qu'Allah nous aide à s'aimer correctement, à irriguer. Un autre exemple, toujours des paraboles, des analogies. Eh bien, chers frères et sœurs, nous, il faut que nous comprenions qu'on ne peut pas. De la même façon qu'actuellement il fait chaud, quand on rentre dans sa chambre, on allume le ventilo. Des fois on est tellement pressé d'avoir cette fraîcheur. Eh bien, voilà le ventilo là, 1, 2, 3, jusqu'à 5 vitesses. Quand tu viens, tu mets le bouton jusqu'au numéro 5. Ah bah, le ventilo, il ne peut pas le numéro 5 comme ça, c'est pas possible. Même si tu as dépassé 1, 2, 3, tu mets directement au 5 là, il va prendre son temps pour prendre sa vitesse pour arriver à la 5e. C'est pourquoi nous aussi, on ne peut pas se. Comme ça, venir la veille de Ramadan, dire qu'on rentre dans Ramadan. Il faudrait absolument que nous ayons ce temps-là. Pour la préparation, qu'Allah nous facilite la compréhension. Chers frères et sœurs, pour enfin montrer l'importance de cette préparation, eh bien, les savants nous disent qu'il s'agit de comprendre que tout ce qu'on va faire pendant ces 3 semaines qui restent, ce sera pour un but noble. Ce but-là, c'est de quoi? C'est de bénéficier de tous les thés. Ils appellent ça les thés. Les thés, ce n'est pas le thé qu'on fait au delà, le thé vert de Chine, c'est la lettre T. Parce qu'effectivement, nous avons ces noms-là en arabe qui tous commencent par la lettre T. Atilawa, lecture du Coran. Atahajud, la prière nocturne. Que nous devons faire en temps normal. Le taraoui, la longue prière comme certains l'appellent. Le tasbih, le fait de louer Allah abondamment. Le tatawu, les nafils qu'on fait abondamment pendant le ramadan. N'est-ce pas? La tawba, la repentance, le repenti. Le tasawur, ça on se prive pas de le faire. Le souhour. La tafakur, la méditation, la contemplation. Le fait de s'asseoir, comme disait le savant tout à l'heure, et pouvoir réfléchir sur soi. Mais moi-même, qu'est-ce que je fais actuellement? Quel est mon niveau? Quel est mon état vis-à-vis de Dieu? Est-ce que je vais continuer comme ça jusqu'à la mort? Oui, c'est peut-être pas pour nous, il faut qu'on ait du temps pour ça. Le tawadou, tout ça c'est l'été. Tawadou, c'est l'humilité. Nous sommes très arrogants souvent dans notre recherche des biens, au point d'écraser tous ceux qui sont dans le chemin. Allah nous pardonne. Donc, pour bénéficier de cet été-là, pendant Ramadan, il va falloir commencer déjà à préparer, n'est-ce pas, le terrain. Chers frères et sœurs, qu'est-ce que nous pouvons faire pour préparer le terrain en bras comme ça, comme on l'a dit, notre socle, c'est le Coran, c'est la Sunna, c'est tout ce qu'il y a là-dedans. Mais comme c'est devenu, comme dit le hadith, beaucoup, il va falloir, en temps opportun, être assez intelligent pour choisir ce qu'il faut. À titre d'exemple, pour chacun d'entre nous, puisque c'est personnel, nous avons dit, à titre d'exemple, il y a la tawba, la repentance. Ah oui? Par rapport à ce qui a été notre vie antérieure, nos ramadans que Dieu nous a accordés, eh bien, on ne va pas faire ce ramadan à ressembler comme aux autres. Il faut qu'il soit différent des autres. Qu'il soit différent. Et on va se répandre. Demandons pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous pardonne tous nos péchés absolus, tous autant qu'ils sont,
et qui nous donne une autre vie pendant ce moment-là. Allah nous accorde la repentance. Autre chose, chers frères et sœurs, il y a même le jeûne, nafila, facultatif. Donc, on ne parle pas de jeûne qu'il faut rembourser, des jeûnes pour s'entraîner. On peut dire ça. Ça va dire des jeûnes pour s'entraîner. Celui qui a la difficulté pendant le ramadan, surtout maintenant que c'est dans la période un peu de la chaleur, eh bien, on sera bien avisé de s'entraîner à jeûner des jours nafila. Et ce n'est pas ces jours-là qui manquent. Lundi, jeudi, il y en a encore 6 ou 7 jeudi comme ça. Et lundi, avant ce mois de ramadan. Il y a les 13e, 14e, 15e jours, les 3 jours pleins. Et bien, ils sont là. Donc, on a au bas mot 7 à une dizaine de jours qu'on peut jeûner de façon sunnatique, comme on dit, pour nous habituer, ne serait-ce que, n'est-ce pas, au rythme du ramadan. Il y a le Coran, chers frères et sœurs. Ils disent, Sha'ar ramadan, Sha'ar al-Qura. Le mois de ramadan, avant qu'il arrive là, les grands lecteurs du Coran, les gens qui sont assidus au Coran, c'est leur mois, c'est leur, comment dire, c'est leur période la plus élégante, la plus intéressante. C'est pendant le mois de Chaban qu'ils vont commencer à réviser le Coran et à prendre cette vitesse dont nous parlons, en parlant du ventilo, pour aller vers le ramadan. Ils n'attendent pas. Ils n'attendent pas que le ramadan commence pour dire, ah, je vais commencer à lire le Coran. Je vais commencer à apprendre le Coran. Alors nous donne le bon exemple. Et bien, parlant du Coran, chers frères et sœurs, puisque nous parlons de ramadan en tant que acte, n'est-ce pas, en tant que arrêt, c'est bien le sens du mot somme. Somme en arabe, c'est l'idée de, n'est-ce pas, de marquer une acte, une pause, d'arrêter ce qu'on faisait de façon naturelle. Et bien, pourquoi pas, c'est un exemple pour ceux d'entre nous qui ne savent pas encore lire le Coran. Mais on va attendre le début du mois de ramadan pour commencer à apprendre l'alphabet. Si on commence maintenant, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a beaucoup de chances de le faire. On va récolter une immense, n'est-ce pas, quantité pendant le mois de ramadan. Autre chose, chers frères et sœurs, la doua, la supplication, l'invocation. On a vu tout à l'heure comment les sahaba passaient leur temps à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala 6 mois avant. Nous ne sommes plus à 6 mois, nous sommes à juste quelques 3 semaines. Allah nous le facilite. Allah nous donne et nous dénie notre langue. Tout ce qu'il met sur notre langue, que ce soit pour l'agréer et qu'il nous donne la force de le faire. Chers frères et sœurs, أقول قبل هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي فضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على خير ورى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers frères et sœurs, nous parlons de la nécessaire préparation pour ce mois de Ramadan qui arrive. Qu'Allah nous agrée dans notre état et qu'il améliore notre situation. Qu'il fasse que nous soyons assez prévenants et assez regardants sur, n'est-ce pas, les enjeux spirituels de ce mois. Parlant de spiritualité, chers frères et sœurs, nul n'ignore que Ramadan, c'est le printemps, n'est-ce pas, de la spiritualité pour ce qui est des mois de l'année, l'année lunaire. Chers frères et sœurs, il s'agira pour nous, dans cette période-là, pendant ce bref laps de temps où nous aurons l'occasion de méditer, comme dit tantôt, de nous intéresser à notre dimension intérieure. Et pas seulement aux événements que nous voyons, pas seulement ce qui se passe autour de nous. Cela, c'est un impératif, chers frères et sœurs, quand nous regardons le Coran, encore une fois, le Coran dit « Qad aflaha man tazaka, qad aflaha man zaka'a » Certes, a réussi celui qui se purifie, celui qui purifie l'âme. Eh bien, chers frères et sœurs, c'est cela la réussite énoncée par Allah. Ce n'est pas avoir des tonnes et des tonnes d'argent, des tonnes d'immeubles. Eh bien, nous, c'est sauver comme nous pourrons. Ce n'est pas interdit, parce que Rasoulallah sallam dit alors, cherchez Dunia comme si vous n'allez jamais mourir. C'est vrai, on nous l'a dit. On nous l'a enseigné. Cherchez également Akira comme si vous allez mourir demain. C'est l'équilibre qu'on doit le chercher. Mes chers frères et sœurs, admettez avec moi qu'il est difficile de maintenir cet équilibre-là entre Dunia et Akira. Il y a toujours un qui penche au détriment de l'autre. Mais s'il faut faire pencher l'un au détriment de l'autre, ce sera certainement Akira. Voilà, Akira le Khayrun ou Abuka. Parce que lui, il vaut mieux, il dure plus, il est même éternel, c'est pas une question de durée. Donc si on doit donner la préférence à l'un, ce sera Akira. Donc le Coran nous appelle à aller vers cette purification-là. C'est en tout temps, en tout lieu. Mais nous, il y a des moments bien précis pendant lesquels nous nous en occupions. Car nous facilite la compréhension.
La Karkala qui naît ici en Afrique Kabale. Nous avons créé l'être humain dans la difficulté, dans le combat, la lutte. Ah, ce verset-là, on parle de lutte, mais il s'agit de lutte. Contre qui? Quand on lutte, c'est contre quelque chose. On lutte contre quoi? Mais nous, on passe le temps à lutter contre nous-mêmes, contre les autres, pour écraser les autres, pour avancer. Allah dit, il s'agit de la lutte contre nous-mêmes, contre notre ego, contre soi. D'où l'impérieuse nécessité de la purifier cette âme. Allah nous facilite cette tâche, chers frères et sœurs. Allah nous accorde le succès, celui qui a la qualité de succès énorme. Allah fasse que nous soyons parmi ceux qui l'invoquent et qui l'agréent. أستغفر الله سبحانه وتعالى في حمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات حيهم وميتهم وشاهدهم وغائبهم وقريبهم وبعيدهم فإنك تعلم متقلبهم اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيت ولا جاهلا إلا علمت ولا عيبا إلا سترت ولا عيبا إلا سترت ولا فقيرا إلا أغنيت ولا معسرا إلا يسرت ولا معسرا إلا يسرت ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لا فريد ولا نافية صلاة إلا قضيتها يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم بلغنا شهر رمضان وأخذنا شهر رمضان وبلغنا رمضان لا إله إلا أنت سبحانه المسلمين اللهم صل على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين